Les gars, c'est maintenant. Elle a perdu les os. Ah, je suis en stress. Je vous promets, je transpire et tout. Je vous promets, elle me fait délirer. La tête de ma mère, ça y est, là, on est monté en chambre. On attend que le travail se fasse. Mais c'est incroyable. La tête de ma mère, bon, j'ai les yeux qui brillent, vous étonnez pas pourquoi. Mais je vous promets qu'elle me fait délirer. Elle me parle d'un coup. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, j'ai des contractions. Écoutez, écoutez. Je vous promets, mais qu'est-ce que je suis fier encore d'elle. J'arrête pas d'être fier d'elle. Elle est forte. Tu es une femme forte, tu entends? Elle va faire un one shot. Inch'Allah. C'est-à-dire, elle va le sortir direct. Dire que il a choisi son camp, le petit. Voilà. Petit Chaoui. Il a entendu la musique ce matin. Il a dit, c'est bon, ce soir, je sors. T'inquiète, j'arrive. J'ai entendu le son. J'arrive. Je suis le plus heureux du monde, je vous raconte même pas. J'attends. Je vous promets, vous pouvez demander à Cam, ça vous expliquera, à mon avis, elle va faire des cahiers de session sur ce qui s'est passé. Mais je vous promets, j'essaie d'être au taquet, on dirait une coach. Hey, Camilla, bon, t'inquiète, hein, dès que tu rentres dans la salle, t'inquiète. Ça va bien se passer, t'inquiète. En chambre, on attend que le travail se fasse. Je sais même pas si elle a commencé, mes pêcheurs, on se tord de douleur depuis tout à l'heure. Je vous promets. Tellement, j'ai même plus où me mettre. C'est stressant, mais elle est vraiment, vraiment courageuse et forte, comme toutes les femmes qui ont donné naissance à un enfant. Franchement, respect à vous. C'est ce que je vois, faut le vivre. Voilà, faut le vivre, enfin, faut le vivre. Faut être à côté pour se comprendre, quoi. C'est incroyable, je vous promets. J'essaie d'avoir un œil sur la route, un œil sur le volant, mais c'est. Allez. J'espère que ça va aller mieux. En tout cas, merci pour vos messages et puis j'essaie de vous tenir au courant de l'avancée des choses, quoi. La plus longue de ma vie, je vous promets, vraiment, c'est waouh, très très long, très très long, et franchement, ça me fait de la peine comme je la vois se tordre de douleur. J'espère que ça va aller beaucoup mieux, mais voilà quoi, 5h10 du matin, et on attend encore. En tout cas, merci à tous, je vous aime. Pour vous dire un peu ce qu'il en est. De 23h40, 45 jusqu'à maintenant, quoi, il y a 5 minutes, elle se tordait de douleur, contraction sur contraction, mais apparemment c'était des contractions vraiment, vraiment puissantes. Elle s'est très peu reposée, voire pas du tout, parce que, ouais, vraiment pas du tout même. Parce que entre deux contractions, elle fermait les yeux, mais 2 minutes après, hop, elle les ouvrait. Il y a une perceuse, le truc. Et du coup, donc je disais, entre deux contractions, elle essayait de se reposer, et puis boum, ça repartait de plus belle. Et puis là, ils viennent de la soulager en lui mettant la péridurale. Donc, boum, elle est tombée KO. Je vais en profiter pour un peu me reposer, 20-25 minutes. Et puis après, je vous en dirai où on en est, mais en tout cas, j'ai hâte. Et je vous remercie à tous pour le soutien. Toujours pas le moment. Donc, apparemment, le travail il aurait bien commencé. Maintenant, plus qu'à attendre. Voilà. Toujours pas le moment. Vidéo pour vous dire un peu où on en est. La cam se repose bien. Le petit à l'intérieur va très bien. Maintenant, on attend que le travail fasse. Je sais pas comment vous expliquer, quoi. Vous avez compris, mesdames. J'attends que la voix soit opérationnelle. On attend ça, quoi. Mais bon, c'est long, très très long. Mais bon, c'est pas grave, on attend. En tout cas, je suis avec mon meilleur ami, le petit fauteuil. Et puis voilà, je prends un moment la patience et puis je la laisse reposer. J'espère que quand ça va commencer, ça va aller vite. Pour qu'elle puisse voilà, souffler, pour que je puisse avoir mon enfant dans les bras, mon fils, notre fils dans les bras.
Et puis voilà quoi. En tout cas, voilà, midi et quart, toujours pas là. Il s'est fait vraiment désirer lui. Il est vraiment têtu, il veut sortir quand il veut lui. On ne veut plus qu'il sorte comme ça. On vient de venir contrôler un peu où on en était. Et apparemment, elle serait à 7 cm. Donc voilà. Elle m'a même dit qu'elle sentait la tête du bébé quand elle touchait. Donc je lui ai dit bien sûr de lui passer le bonjour, de lui dire qu'on l'attendait, de s'accélérer s'il pouvait, de s'activer quoi. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant des infos un peu. À toutes. Je vous promets que je suis fier d'elle. Midi 22 et elle est toujours. Voilà, je sais pas comment dire, mais elle est toujours là, quoi.